famille. Nous avions fait des promesses. Et nous avons réalisé ce qui était possible. Nous avons compris, comme je disais l'autre fois au directeur, que l'Assemblée nationale n'était réellement pas autonome, conformément à la loi qui nous régit. Après ça, par rapport au fonctionnement, l'Assemblée nationale devrait fonctionner avec une dotation, n'est-ce pas, trimestrielle ou semestrielle. Je vous ai parlé de la situation du pays. Ce n'est pas le temps. Nous attendons l'argent à partir du gouvernement. Nous nous sommes arrangés même avec certaines banques pour que les gens soient payés à une certaine date précise. Nous avons malheureusement eu la malchance de tomber sur une banque qu'on appelle Afrilin. C'est pas un secret. Malheureusement, c'est une situation que nous avons trouvée. Afrilin. Je sais une chose. Même une pétition avait failli être initiée contre ma personne parce que je défendais une date précise pour la paix de tout le monde. Et je sais que vous, vous alliez encourager ça. N'est-ce pas? Alors que je vous réponds. Voilà. Toutefois, nous avons accepté le combat. Et ce combat nous a permis de découvrir beaucoup de choses. Bref, l'Assemblée nationale fonctionne avec l'humeur, la bonne ou la mauvaise du gouvernement. Mais objectivement, depuis un certain temps, quand un ministre des Finances vous dit que, écoutez, je commence toujours par payer l'armée, la police, et puis les fonctionnaires, vous êtes toujours les derniers à être payés. C'est une règle d'or. Et alors, même la plus belle femme, on ne fait que quoi? Elle ne donne que quoi? Ce qu'elle a. La bonne volonté ne suffit pas. Mais la bonne volonté est toujours là, à votre disposition. Et vous l'avez senti aussi. Alors, par rapport à... J'avais laissé aussi une question, j'ai retenu, il y avait le problème, je crois, des véhicules pour les cadres de direction. J'avais répondu immédiatement, non, les véhicules pour les cadres de direction, c'était un acquis. Nous avions même déjà parlé avec le directeur et ils ont dit qu'ils étaient d'accord qu'on prenne des avances. Nous sommes allés jusqu'à Promotos personnellement. Vous savez que ce n'est pas mon travail. Mais quand je pense que ça peut aider, parfois je m'émets. Il m'est arrivé, j'étais intérimaire de caissière adjoint. Je me promenais avec des jambières dans les véhicules. Parce qu'à tout moment, on peut demander d'aller visiter, je ne sais pas quoi là, ou dans les puits d'eau là-bas, il y a des choses. J'étais prête à descendre. Ça, c'est mon genre. Parce que c'est pour le bien d'autrui. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est pour le bien de tout le monde.
Donc voilà. Par contre, quand on dit que l'administration mêlée mêlant avec la politique, tout ça, moi je trouve que c'est normal. Aujourd'hui, nos éminents professeurs avaient épousé des femmes, je m'excuse pour les termes, hein, des femmes non instruites. À peine elles parlent presque pas, peut-être le français. Mais aujourd'hui, elles parlent de bon français. Hmm? On est transformé naturellement par le monde dans lequel on se trouve. Voilà pourquoi, quand vous êtes habitué, on vous impose de composer un texte politique. Vous aussi, vous allez commencer à écrire et parler politique sans le savoir que vous êtes administratif. Pour moi, c'est une cause de fierté. Je ne sais pas si je peux regretter ça. Vous avez été affecté dans une maison politique. C'est normal que vous parliez politique. Et c'est normal aussi que parmi vous, il y ait des candidats pour devenir député. Ils en sont devenus, fort vrai. Et ils ne se sont pas laissés faire. Parce qu'ils ont gobé le langage politique, les raisonnements politiques, les actes politiques. Moi, j'ai vu des personnes qui étaient des administratifs ici, qui ont été votés par la bénédiction du très haut député ou sénateur, mais qui ne se sont pas laissés faire parce qu'ils avaient un bagage. C'est un atout. N'est-ce pas? Vous travaillez avec les militaires. Il y a des civils qui travaillent dans l'administration militaire de l'autre côté. Des civils. Mais alors leur langage, leur comportement. Un comportement militaire et un langage militaire. Moi, ça ne m'étonne pas qu'une maman qui travaille avec le ministre de la Défense nationale ou qui travaille dans le cabinet d'un général là-bas, Tango Komi Azoye Bisayo, maman, Fanda A. Moi, c'est tout à fait normal parce que c'est ça leur langage. C'est ça le milieu, ça transforme. Mais par rapport aux injustices, inégalités de traitement, je ne sais pas. Je vais poser la question, je vais demander au secrétaire général d'en tenir compte. Maréchal disait quoi? Seul, avec l'aide de tous, il peut tout. Vous comprenez ça? Hein? Il faut que le secrétaire général nous fasse rapport de proposition. Hein? On a même un conseiller administratif qui le... Hein? Mettons-nous ensemble et essayons d'analyser ensemble. Pas chacun pour soi. Moi, là où je ne suis pas d'accord, c'est ça. Chacun pour soi. Et tel que nous sommes assis ici, d'autres diront, non, non, Madame Kester, c'est ma soeur. Oh non, non, le secrétaire général, c'est un round, c'est mon frère. Oh non, l'ancien ministre de la fonction publique, c'est mon frère. Nous, c'est tout ce que nous ne voulons pas, hein, nous ne voulons pas vivre dans nos relations. Il y a des députés qui viennent chez nous, ils veulent s'exprimer en soi parce qu'ils nous connaissent. Mais quand il y a un autre qui ne connaît que français, Tchirouba et autres choses, même anglais, j'ai dit non, non. Parlons dans la langue que l'autre aussi peut écouter. N'est-ce pas? Et donc, cette attitude-là de diviser, ça ne vient pas de l'autorité.
L'attitude de diviser, ça vient même de... Ça vient surtout et partout des agents. Je ne sais pas si je me trompe. Ça vient surtout et partout des agents. Dans les domaines médicaux, ça existe. Les médecins sont ici, ils le savent. Ce ne sont pas les médecins qui divisent, mais ce sont les agents qui divisent. Oh, nous sommes allés favorables pour Nayo, nous sommes en ordre de autant, c'est tel, tel, tel. D'ailleurs, j'avais appris que tel groupe avait. C'est vous qui divisez. Les agents divisent. Alors, le chef doit faire attention à ça. Ce jeu tenait compte où se trouve l'inégalité des traitements. Tenez compte de ça. Et soulignez, parce que nous sommes là pour abolir ces affaires. Par rapport à au nom tel président de l'Assemblée nationale voulait entrer, ce sont les agents qui lui ont bloqué. C'est ça. Il a entré dans la salle de congrès, c'est ça. Azuruni. Vous avez parlé d'Azuruni. C'est ça. Bon, écoutez, nous sommes ici des collaborateurs. Mouton a mouton aïe na nengé na aïe. Ah, chacun est venu de sa, dans sa, de sa manière. Il y a des parents qui ont été durs vis-à-vis des enfants. Quand un enfant pleure, on lui pose la question. On prend d'abord, est-ce qu'il a la fièvre? Non. Est-ce qu'il a mangé? Non. Hein? Il a la fièvre? Non. Donc il n'est pas malade. Il a la fièvre? Non. Il a quel souci? On pose la question à l'enfant. Quel est ton problème? Si ton problème a été résolu, tu vas barrer la route au président de l'Assemblée nationale. Pour rien comme ça. Bon, peut-être avec raison. Est-ce que c'est ça qui va résoudre les problèmes? Alors, comme ça, ce n'est pas un exemple à donner ici. Je crois que le président Mosso a tout donné. Quand il est arrivé, il a regardé. S'il vous plaît, nous avions trouvé l'enveloppe comme ça, pliée à quatre. Le président Mosso est arrivé à son avènement à la tête de bureau d'âge. Il a ouvert l'enveloppe comme ça. Ce n'était plus à quatre. Quand il a constitué son bureau, et nous tous, nous avons ouvert l'enveloppe comme ça. Comme ça. Comme ça, vous savez lire ici et ici. Alors que quelqu'un a élu barré la route, c'est un exemple par rapport à Djouloun, donc c'est-à-dire que ça peut arriver aussi au président Mosso. On posera la question. Papa, il y a un autre fait. Non, est-ce que tu as été payé les mois passés? Oui. Est-ce que l'Assemblée nationale a devoir Nayo et l'autre? Oh non, tu as souffert une inégalité. Plutôt, illégalité, tous souffrir na makambo songolo, pakala. Mais vous avez une voie par laquelle vous pouvez vous exprimer et informer l'autorité à place. Vous l'avez fait? Oh non. Quand ma plaisir a sifflé, Nadine, alors là, n'allez plus pleurer. Ah. Là, on va prendre des décisions. Parce qu'on en a le pouvoir. Trop bon. N'allez pas faire ça avec le président Mosso. S'il y a quelque chose, traitons cette affaire entre autres. N'allez pas faire ça. C'est de l'aventure qui ne passera pas. Elle ne sera pas consommée.
Parce que si l'autorité a raison, c'est-à-dire qu'elle a donné aux travailleurs, elle a donné aux agents de l'administration leurs droits à bon et du fort, et qu'il y a un point de malentendu dont il n'était pas informé, il dira que j'ai été piégé. Voilà pourquoi nous disions un esprit de révolte. Peut-être comme nous considérons que vous nous donnez, vous rendez des services vraiment loyaux et surtout de qualité à cette nation, un sentiment peut-être de supériorité là, ce qui est tout à fait normal aussi, n'est-ce pas? C'est normal. Mais, comme disait le maréchal, évitons l'exhibitionnisme. Ça, c'est très important. Le monde appartient aux personnes qui savent patienter et aux personnes qui savent s'humilier. Le monde n'appartient pas aux gaillards. Ça, c'est très important. C'est un conseil entre nous. Hein. Et donc, l'esprit d'incitation. Évitons ça. Chacun est venu lui-même. Chacun est venu de sa manière. Et chacun a ses problèmes, ses passés, son enveloppe historique. Chacun a ça. N'allez pas copier les autres. C'est comme ça que lors de la mort de Jésus-Christ, beaucoup se sont condamnés eux-mêmes. Il y a un mouvement, on y entre, on commence à siffler, on commence à marcher, à injurier, ramasser ceci, ramasser cela. Et quand il y a des problèmes, on commence, oh non, non, il y a des amémas qui n'ont pas matambo. N'est-ce pas? On peut continuer parce que c'est ça la vérité. N'allez pas accepter de suivre les gens. Si quelqu'un a commencé quelque chose, vous ne le connaissez pas, vous ne savez pas ses atouts. Donc, allons-y, mollo, mollo, et en franche collaboration. Mais je demande au secrétaire général de tenir compte de cette plainte. Parce que même moi, personnellement, je ne peux pas, comme le président Bosso, accepter un traitement discriminatoire. Par rapport au déblocage des notifications des agents, secrétaire général, à vous la balle. Nous sommes en train de passer, il faut que nous puissions passer bien, en laissant chacun dans une situation qui est la leur, qui lui appartient. Il ne faut pas aller avec des dettes morales. Demain, vous partez les rencontrer dans un coin de clinique Galiema, mais si j'ai vraiment ma cambosala, kangaï, wanande, c'est pas bien. Chacun, on doit le laisser dans sa situation tout à fait normale et juste. Conditions de travail à l'Assemblée nationale par rapport au transport du personnel. Rupture des carburants, panne des bus, et ainsi de suite. Nous disions qu'il nous restait de payer encore 8 bus. Nous en avons payé, il y en a là-bas. Faites-en usage. On ne vous a pas encore remis des clés ou quoi? Ça fait quoi? Vous n'avez pas de clés? Les chauffeurs n'ont pas droit. Répondez. Maintenant. Les chauffeurs n'ont pas droit. Direction de matériel, qu'est-ce qui se passe? Oui. Merci beaucoup. Je pense à mon intervention. Ok. Oui. Je crois que c'est une exhortation.
Seulement, nous demandons beaucoup plus de collaboration. Hein? Il faut que ce soit plus chaud, chaud. Pas une collaboration malgré. Voilà. Beaucoup plus de collaboration. Je crois que pour le reste de mise à place, tout ça, madame, monsieur le CG et les conseillers administratifs vont se mettre autour d'une table. Merci. Je crois que ça, c'est une dernière intervention. Il y en a qui ne doivent pas manger après le Seigneur, je disais. La nourriture est prête. La dernière intervention. Merci au nom de Christ, ma parole de la parole. Certes, le bishop est une. Comme ça, je peux aussi demander au directeur de faire ce que vous savez. Ils sont vieux, ils ont vieilli ici. Maintenant, ils sont en train de partir. À côté, il y a un tapot qu'on aide. Quand on va prendre le. Et comme Mobutu avait dit. N'est-ce pas? Ah. Mais aussi, comme je venais de le dire, le CG et le conseiller administratif, ils vont se mettre autour d'une table pour essayer de voir ce qui est vrai, ce qui est juste à faire. On ne va pas le faire parce que je suis de telle tribu, je suis de tel coin, je suis l'épouse de tel nom, copine de tel nom, dans la légalité, dans la justice. Sur ces mots-là, nous sommes dans l'obligation d'arrêter et permettre aux gens de manger et de boire. Non, malheureusement. Passer au bureau. Je n'ai jamais fermé la porte aux agents. Vous êtes vous-même témoin. Ok. Oui. Je crois que c'est une exhortation. Seulement, nous demandons beaucoup plus de collaboration. Hein? Il faut que ce soit plus chaud. Chaud. Pas une collaboration malgré. Voilà. Beaucoup plus de collaboration.